L'homme n'est qu'un animal ou un assemblage de ressorts, qui tous se montent les uns par les autres. Les hommes, quelque envie qu'ils aient de s'élever, ne sont au fond que des animaux ou des machines perpendiculairement rampantes. La maîtrise, l'homme-machine, 1748. Je peux réaliser une figure automate humaine qui imitera dans ses mouvements les opérations animales, la circulation du sang, la respiration, la digestion, le jeu des muscles. Avec permission du magistrat de la ville, on exposera à la vue du public les trois chefs-d'œuvre mécaniques du célèbre monsieur Vaucanson. Le premier, un homme de grandeur naturelle, habillé en sauvage, qui joue 11 airs sur la flûte traversière par les mêmes mouvements des lèvres, des doigts et le souffle de la bouche comme l'homme vivant. Le deuxième, qui joue 20 airs différents sur le flûtet de Provence d'une main et du tambourin de l'autre. Le troisième, un canard artificiel en cuivre doré qui boit, mange, fait la digestion et se vide comme un canard vivant. Il était une fois, à Neuvied-sur-le-Rhin, en Rhénanie, un ébéniste et un horloger qui fabriquaient toutes sortes d'objets extraordinaires. Les ingénieux secrétaires de Röntgen, d'une seule pression, on met en mouvement une série de ressorts et de leviers, faisant apparaître l'écritoire, les casiers à lettres et le tiroir à l'argent. Les affaires marchaient bien, si bien que Röntgen décida un jour d'aller jusqu'en France, montrer ses œuvres à la cour du roi. Il partit une première fois et se fit connaître. Puis une seconde fois avec l'horloger Kinzing et des chariots pleins de leurs plus belles pièces. Ce fut un succès. J'ai payé les Allemands 2400 louis pour une grande commode. Röntgen reçut le titre d'ébéniste mécanicien du roi et de la reine et Kinzing celui d'horloger de la reine. Mais il voulait faire mieux encore. Et bientôt, à Neuvied, ils se mirent à un prodigieux ouvrage. Il fallut 26 corps de métier, des centaines d'artisans, du mécanicien au perruquier, du marqueteur au corsetier, et aussi des sculpteurs, des peintres, des musiciens. Il fallut du cuivre, du bois, de l'ivoire, 15 tissus différents, 20 mètres de dentelle. Il fallut des mois et des mois jusqu'au jour où...
l'emportèrent en France, démontée, entourée de 1000 précautions, car elle était digne d'être présentée à la reine. Une reine venue d'Autriche, musicienne, qui s'intéressait aux sciences, aimait les fleurs, les fêtes, régnait sur un Versailles brillant et insouciant. Vers la fin de l'hiver, la poupée de Röntgen, comme on l'appelait, joua donc ses 8 airs pour la reine de France, à qui elle ressemblait tant. Lettre de Lassonne, médecin de la reine, le 4 mars 1785. Monsieur et cher confrère, la reine a depuis peu de temps fait acquisition d'une petite figure de femme automate qui joue et exécute très bien différents airs de musique sur une espèce de tympanon en forme de petit clavecin. Cette figure, dont les traits, les proportions et les ajustements sont fort élégants, frappe en mesure les différentes cordes de l'instrument avec deux petits marteaux de métal qu'elle tient dans ses mains, qui se meuvent avec beaucoup de justesse et de précision. Elle a d'ailleurs, en exécutant les airs, des mouvements de tête et une sorte d'expression variée dans ses yeux et dans ses regards, qui sont très agréables et qui font une illusion surprenante. La reine désirerait que cette figure automate fût examinée par quelques personnes de l'Académie des sciences. Et si on la jugeait digne d'être placée dans le cabinet des machines, Sa Majesté serait disposée à en faire présent à l'Académie. Condorcet. Monsieur de Lassonne propose de nommer une commission pour voir une androïde que la reine veut bien offrir à l'Académie. Messieurs Brisson, Desmarais, l'abbé Rochon et Legendre ont été nommés. La machine sera transportée et déposée chez moi dimanche ou lundi. Si messieurs nos confrères qui viendront à Versailles voulaient bien choisir jeudi de la semaine prochaine, je les prierai de me faire l'honneur de dîner chez moi. Bientôt vint la révolution. Le roi, puis la reine moururent. Röntgen fut ruiné. On changea d'époque. Plus de 70 ans passèrent. On était dans l'âge industriel, l'âge des musées aussi. C'est un musée qui tira la joueuse de son oubli. Mais elle avait terriblement vieilli. Pour tenter de lui rendre sa jeunesse, on la confia à un magicien et savant surnommé le sorcier. Cet automate qui représente les charmes physiques et le talent musical de Marie-Antoinette était abandonné depuis la Révolution dans un réduit de l'Institut, où il eut à subir plus que les injures du temps. Son état de délabrement, ses mouvements saccadés, bruyants et peu naturels, ont rendu ma tâche longue et pénible. Mais le temps s'accéléra encore. On changea de siècle. La joueuse vit arriver à ses côtés, au musée, de nouvelles machines, faites pour imiter l'humain, comme elle, mais par d'autres moyens. Elle avait encore vieilli, elle jouait mal à nouveau. De nombreuses fois, on essaya de la corriger, de la refaire telle qu'elle avait dû être. Rien n'y faisait. Pourtant, elle continuait d'étonner.
Elle était même devenue célèbre. L'horloger et l'ébéniste lui avaient fait don de l'immortalité, mais pas de l'éternelle jeunesse. Deux siècles avaient passé. Une autre aurait dû naître à son image, qui serait pour elle ce qu'elle avait été pour la reine, jadis. Un double charmant, façonné par l'ingéniosité de son époque. Elle l'attendait. Bonjour. Ici, c'est la mémoire de cet androïde. À droite, il y a 8 rangées de picots. Ces picots servent à la percussion des cordes. Et au milieu, il y a 16 cames et elles servent à déplacer le marteau au-dessus des cordes. Comment elles jouent de la musique? Les cames vont jouer la mélodie et les picots vont jouer le rythme. Tu vois, cette cam, c'est un profil continu sur lequel roule un galet et y suit les crêtes et les creux. Le levier qui tient le galet transmet à l'avant-bras un mouvement de balayage au-dessus des cordes. Tu comprends ? Oui. Voilà. Le bec vient buter contre le picot, transmet le mouvement à l'avant-bras, provoque une percussion sur les cordes. Voilà, je tire sur une manette qui va déclencher le mouvement moteur de l'automate. Alors, les deux seules informations, la cam et le picot, se combinent au niveau du coude. C'est compris. L'automate a un bel habit, mais malheureusement, il en a deux autres qui sont très, très abîmés par le temps. Et nous avons l'intention de reproduire les habits d'origine. Et celui d'origine est très compliqué. Il a 20 mètres de dentelle, 14 tissus, tous en soie. On fait aussi restaurer le meuble et le tympanon. C'était indispensable. Cet ensemble est très mystérieux. Et l'étude que nous allons entreprendre va nous permettre de décrypter, sans faute, toute la mémoire de cet androïde. Elle joue 8 airs, mais mal. On ne sait rien de ces 8 airs. On ne veut pas, encore une fois, démonter l'objet. Ça l'abîme. Comment faire? Au lieu de l'opérer, on va établir un diagnostic. On va chercher comment elle a été conçue et ce qui a pu lui arriver.
J'ai créé et réalisé des instruments de mesure spécialement pour la joueuse parce qu'elle est unique. Tu as fini? Oui, c'est le dernier secteur. Voilà une cam complète. Maintenant, on voit bien comment ils ont procédé. Chaque picot en face d'un niveau de cam donne une note. Plus 12. Plus 2. Plus 147. Plus 155. Grâce au relevé, j'ai pu corriger la partition que j'avais notée à l'oreille il y a 6 mois. Ces deux aiguilles vont servir à amplifier la mesure avec beaucoup plus de précision. Une pour le picot et une pour les cames. Le son n'est pas beau. C'est mort. Il faut enregistrer les sons du tympanon. Si. Do dièse. Ré. Écoute ça, tu connais? C'est mécanique comme une boîte à musique. C'est vrai, on a le cylindre, on a le son du tympanon, mais on n'a pas le jeu. L'interprétation. On voit bien la trace des impacts des deux marteaux. Et là, les doubles attaques. Le marteau a rebondi. Et en fait, il a tapé plusieurs fois au lieu d'une seule.
voit les deux arcs de cercle des impacts et au milieu la zone de recouvrement. Si maintenant je superpose le plan des cordes, on remarque que ça ne coïncide pas au centre. Les marteaux ne tombent pas sur les cordes. Donc, soit l'écartement des marteaux est mal réglé, soit les cordes sont mal placées. Elle fait toujours des fautes, et pourtant, on l'entend jouer juste. On ne l'a pas touchée, elle est restée la même. On a fait une restauration virtuelle. On a choisi de la conserver telle qu'elle. Avec ses défauts, comme un témoin du temps passé. Comme cela, elle nous survivra très longtemps.